Eh bien, salut tout le monde, Six Shooters, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau glitch sur GTA Online qui vous permettra d'avoir la radio en continu avec votre personnage. Donc, vous pourrez avoir la radio en étant à pied ou même dans votre appartement. Donc, pour réaliser ce glitch, c'est vraiment super simple. Vous allez vous rendre devant la zone d'activation d'une activité. Après, vous devrez aussi avoir une invitation à une activité d'un joueur du online. Donc, que ce soit un joueur que vous connaissez pas ou alors l'un de vos amis. Après, quand vous aurez fait tout ça, vous allez lancer l'activité du joueur qui vous a invité juste avant. Et dès que vous aurez lancé l'activité du joueur, vous allez directement aller dans la zone d'activation de l'activité. Et donc ça va vous faire un gros bug et ça va vous lancer les deux activités en même temps. Donc ça va normalement d'abord lancer l'activité de la zone d'activation et après l'activité du joueur qui vous a invité. Après, si vous êtes dans l'activité de la zone d'activation, vous touchez à rien. Normalement, l'activité du joueur qui vous a invité juste avant va se lancer automatiquement. Donc normalement si le glitch s'est bien passé, vous devriez avoir la radio dans le chargement de l'activité. Donc après ça va normalement charger l'activité du joueur qui vous a invité juste avant. Après vous serez normalement dans l'activité du joueur qui vous a invité juste avant, donc vous quittez cette activité et quand vous quitterez l'activité vous aurez la radio en étant à pied. Donc vous aurez vraiment la radio en continu, je vous conseille vraiment ce glitch, il est vraiment super cool. Je précise aussi que vous pouvez vraiment faire n'importe quoi, hein. Vous pouvez vous suicider, il y aura toujours la radio quand vous réapparaîtrez, et vous aurez aussi la radio si vous rentrez ou vous sortez de votre appart. Donc vous inquiétez pas, je vais vous mettre un tuto dans la description si vous avez mal compris le glitch. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à liker, commenter et partager la vidéo avec vos amis. Je vous rappelle aussi que vous pouvez venir me suivre sur Twitter et vous pouvez rejoindre mon crew sur GTA 5. Tous les liens sont dans la description. Et donc voilà, moi je vais vous laisser avec la fin de la vidéo et je vous dis à tous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde! Some cyanide and more to Jamaican border. No.